vraiment exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est énorme. Demi-finale pour un club amateur. Non, on pouvait pas rêver mieux sur un scénario comme ça. En plus, on mène tout le match, on se fait égaliser, mais on lâche rien. Franchement, c'est exceptionnel et ça récompense le groupe. Ça a été dur, hein? Ouais, on a bien subi, mais on n'a pas trop été mis en danger non plus. Après, ils marquent un but qui récompense leur match, parce que c'est une équipe très solide qu'il faut féliciter pour son parcours. Mais nous, on savait qu'on avait notre mot à dire et on voulait... On n'était pas attendus forcément, on voulait gâcher la refaite, honnêtement. C'est incroyable ce qu'on fait. Voilà, c'est magnifique. On est content, c'est incroyable. On va en demi-finale de Coupe de France, c'est historique. Et on va essayer d'aller encore plus loin maintenant. Rêve de tout. C'est difficile, hein? Très difficile, très très difficile. En plus, ce que tu as dit, ça peut subir énormément. Mais ce qui compte dans ce match-là, c'est juste la qualif. Après le reste, on s'en fout. C'est la folie là. Et encore, je pense qu'on réalise pas vraiment ce qui se passe. On est dans le dernier carré de la Coupe de France. C'est exceptionnel. En tout cas, franchement, ça, on s'est fait peur un petit peu au pénalty, mais bon, elle est encore meilleure quand c'est comme ça. Et en tout cas, on est en demi-finale, c'est l'essentiel, c'est tout ce qu'il faut retenir. On a fait le boulot, et voilà, maintenant, peu importe l'adversaire, on l'attendra, on espère chez nous. Une soirée de fou. Vraiment, vraiment, lâche-moi, je vais pas dormir là ce soir. Trop d'émotions. Non, trop. En tout cas, merci aux supporters, vraiment merci aux supporters. Ils sont venus, ils nous ont supportés et on leur a offert un cadeau. Et maintenant, on va profiter du feu d'artifice. Impeccable. On est là, en demi-frère. Retenez bien. Wally. Fou, je pense, c'est un petit mot. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. On se retrouve à jouer. Déjà à Toulouse, on a fait quelque chose d'incroyable. Là, aujourd'hui, on tire encore... un match à l'extérieur et en soi c'est le pire tirage pour nous parce que ça reste une N2 comme nous et on se dit que si on perd bah on est dégoûté parce qu'on se dit qu'on se fait éliminer par une N2, on vient en terrain qu'on connaît pas du tout, il y a je sais pas combien de personnes, tout le monde est contre nous et réussir à faire ce qu'on a fait, mener, être solidaire. Après voilà, on prend un but, on sait que les pénaltys c'est la loterie mais on a étudié. On s'est désigné de nous-mêmes, il n'y a pas eu d'obligation, chacun a pris ses responsabilités. Et qu'on marque, qu'on rate, tout le monde sait qu'on est heureux pour le partenaire et que personne ne lui en voudra. Et c'est la force de notre groupe. Et je pense qu'encore une fois, on a fait preuve de caractère. On a montré qu'on était une équipe compétitive, qui se battait, qui mouillait son maillot et qui se mettait les fesses par terre pour tout le monde. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne réalise pas encore ce qui vient de se passer. Je pense qu'on ne réalise pas. Il va falloir quelques jours. Il va falloir... beaucoup de jours, je pense, beaucoup de jours, parce que dans la vie d'un footballeur amateur, arriver à ce niveau de la compétition, une demi-finale, à notre niveau, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense qu'on ne se rendra pas compte des émotions qu'on a procurées aux gens. On a nos familles qui sont venues de Paris. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est là, qui en pleure. C'est incroyable. Et je sais que ma femme, elle doit être en train de pleurer devant sa télé, elle aussi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai une très très grosse pensée pour mes proches qui n'ont pas pu venir parce que c'est en semaine, c'est loin, c'est pas dans un stade très qui fait rêver. Et du coup, j'ai une énorme fierté pour tout le monde, tous les joueurs, tout le groupe, tout le club, toute la ville, toute la région. Franchement, c'est énorme ce qu'on fait. C'est ton club de cœur, c'est ton club de formation. Ouais, c'est ça. C'est mon club de formation, c'est celui dans lequel j'ai le plus joué. Et ouais, c'est une grosse fierté d'amener ce club à ce niveau-là, avec mon Diego, mon frérot. Le camarade de chambre. Le Peru, il a pas voulu tirer le penalty. Mais voilà, c'est incroyable. Des souvenirs qui resteront gravés. On est en demi-finale de la Coupe de France. Il n'y a que le château qui brille ce soir. Et oui. Le château de Versailles. Simplement. Ce que vous avez fait, c'est historique dans le résultat. C'est historique. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est le contenu. Le contenu, vous avez mis des valeurs énormes.
parce que les situations commençaient à s'inverser pour nous, mais vous avez fait preuve de caractère, de force mentale pour réussir vos tirs au but. En faisant confiance à Dan, c'est passé, vous vous êtes fait confiance les uns aux autres. Là, on va passer, on va basculer dans autre chose. Donc profitez, savourez messieurs ce soir, tranquillement. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Plus fort! Oh!